avec le sourire. Ô toi, viens chez toi, dans le fond de mon cœur. Apprends-moi à te sourire toujours, Seigneur, dans le fond de mon cœur. Ça, ce sera un excellent membre de la chorale plus tard, vous voyez, c'est excellent. J'aime bien quand un enfant qui crie comme ça autour de lui, c'est magnifique ça. Voilà, ô toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur, fais-moi te dire toujours oui dans le fond de mon cœur. Et si mon argile est encore bien mal décrossie, continue à la pétrir de tes mains, transpercées, mais ressuscitées. De ces mains transpercées, Jésus veut t'empoigner. Laisse-toi capturer. Comme le chante un chant composé par l'arche de Jean Vanier. Comme l'argile dans les mains du potier, ô toi que j'aime, longtemps je t'ai pétri. Tu n'étais rien encore, déjà je t'entrevoyais. Ce que tu deviendrais, moi seul je le connaissais. Comme l'argile dans les mains du potier, ô toi que j'aime, longtemps je t'ai pétri. Si le vase est manqué, comme il arrive à l'argile, sans fin que le talent, je le refaçonnerai. Comme l'argile dans les mains du potier, ô toi que j'aime, longtemps je t'ai formé. Laissons-nous malaxer, pétrir dans les mains très douces de Jésus, pour qu'il nous donne un cœur qui nous soit de plus en plus agréable au Père. Car ne l'oublions pas, mes frères, Dieu vous admire. Il voit le fond de votre cœur. La grande idée de Jean Vanier, même si vous êtes handicapé, même si vous êtes mongolien, autiste, Dieu vous admire. L'extérieur n'est peut-être pas formidable. L'intelligence est peut-être handicapée. Vous êtes un peu tordu, mais l'intérieur, la vie cachée, la grande... Vous voyez, on vénère beaucoup Jean Vanier en ce moment, mais n'oublions pas le message de Jean Vanier. Ce n'est pas Jean Vanier qu'il faut admirer. Ce sont ces handicapés qu'il a aimés et qu'il a admirés. Parce qu'il savait que ces gens handicapés étaient des merveilles aux yeux de Dieu, la vie cachée. Et c'est des temps qu'il y a de grands saints chez ces handicapés que Jean Vanier a aimés et dont il s'est occupé. Il était persuadé qu'il y avait de grands saints parmi eux, dont la sainteté n'apparaîtra pas. Votre vie, elle est cachée avec Jésus en Dieu. Mon Père l'aimera, nous viendrons en lui et nous ferons chez lui notre demeure, le lieu de notre action.